Et salut à tous, tout le monde, on se retrouve pour la découverte de Rogue Command. Donc c'est un jeu qui n'est pas sorti, il y a uniquement une version démo. Donc voilà, j'avais envie de tester ça, donc voilà, on le fait en stream. Et puis du coup on va en profiter pour vous faire une petite vidéo sur YouTube. Voilà, il n'y aura pas de montage. Voilà, on va commencer comme ça. C'est un RTS, donc c'est un jeu où tu contrôles tes unités en temps réel. Tout ça, tout ça. Donc je vais pas vous faire la description de RTS, mais voilà, dans un univers futuriste. Et voilà, j'en ai trouvé un autre aussi, donc pour l'instant aujourd'hui on commence avec celui-là, et peut-être que plus tard on en fera d'autres. Alors, c'est un ingénieur, ok, only way to build buildings, yes. Donc il va construire des bâtiments, et il peut être revive par des drop pods. Et il génère 2 cristaux à la seconde. Donc les cristaux qui doivent sûrement être le matériau de base du jeu, je suppose. Est-ce que la caméra ça vous va ou est-ce qu'il faut que j'ouvre ça? Non mais si j'ouvre ça, c'est horrible. Attendez, on va faire un autre truc, vous allez voir. On va faire un truc simple. Hop. Voilà, ce sera un chouïa mieux comme ça. Non, ça change rien, ça a rien changé, j'ai rien dit. J'ai la flemme de me lever de ma chaise. Parce que là, c'est le moment où l'ombre, où ma maison fait de l'ombre, bref, au vu de son exposition. Ok, les drop pods, c'est quoi? Engineer, donc c'est des vides d'ingénieurs, si j'ai bien compris du coup. Lose them all and your run is over. Ok. Effect stun enemies. Donc ça stun les ennemis dans un gros radius. Pendant 15 secondes, ça donne 500 cristaux. Blablabla. Ok. Que suis-je censé faire? Ok, bon. Alors. Refinery Calbin. Use your engineer to build a crystal mill. Ok. Il fait quoi là? Il récolte? Merde. Non, toi tu récoltes ici. Select your affinity and produce un harvester. Ok. Du coup là j'ai pas assez, c'est ça? Où est-ce qu'on va nos cristaux? Ah si. Ah si, c'est bon, on a assez. Lui il sert à quoi là? Il fait rien. Ok, c'est la phase tuto. On va découvrir un peu la map pour en profiter. On peut faire des robots marine factories. Your first run is starting now. Take card. Ok, bon, pour l'instant je suppose que ça n'a pas d'intérêt de où, comment, quand, pourquoi. Donc ça c'est notre soldat, le premier, et là on peut en faire d'autres je suppose, voilà. Donc les cristaux c'est la monnaie du jeu je suppose, et là on peut dire, on peut donner un point de ralliement. Ok, classique. Et idéalement, on est évidemment dans un coin, donc on est tranquille. Have fun. Alors, ça fait quoi? J'ai plus le temps de lire! Ça a disparu. Écoutez, on va le crafter. Alors, c'est où là? Tac. Un robot rush beacon. Ok. Il a gardé. Non? Ah merde, je croyais qu'il avait gardé l'ordre. Il a pas gardé l'ordre en fait. Ah, attends. Ah oui, faut pas que je bouge sinon il perd le truc. Rush. Oh, ils sont en mode rush. Est-ce qu'on peut pas désélectionner des unités? Non, apparemment non. Donc ça fait quoi? Summon ce robot rush. Ça coûte 10 MP, notez notre mana. On n'a pas de mana, comment on a du mana? On sait pas. Crystal Harvester, right? Il me produit lui, c'est ça? Ouais. Bon, on va se faire full unité pour l'instant. Parce que je suppose que... Ah, on se fait attaquer!
Ok, heureusement on avait une unité qui sortait à ce moment-là. Attends, mais du coup ils viennent d'en bas. Toi, explore un peu. Bon, j'ai pas les raccourcis pour l'instant, hein, du coup j'ai la flemme. Mais ça a l'air d'être en ZQSD déjà, donc c'est chiant. Oh putain, oui d'accord. Ok, on a trouvé leur base, je crois. Alors le but c'est d'arriver à les attirer par petits paquets, voilà. Comme ça lui on l'a fumé. Hop, on recule. Non mais recule. Ok, nice. Use the robot man grenade to still make... J'ai pas eu le temps de dire. Ennemi mort... Comment on fait ça? Attends. Ah oui d'accord, et là je peux le faire, d'accord. J'ai du mana. Okay. Comment j'ai eu du mana, je ne sais pas. Mes unités sont craquées un peu, non? On va évidemment le fumer. Pick up. Ok, on peut récupérer du mana. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour faire des dégâts? Ouais, ok. Il y a un bounty dessus, il y a une prime. Ah, bah c'est fini en fait. Ok. Ok, sympa. Ok, ok. Pour l'instant, sympa. Oula, oula, qu'est-ce que c'est ça? Choose your card. Oui. Mais ça fait quoi? Ça te donne 100 coins. Un shop. C'est pas expliqué ça, c'est con. Ennemi, ok. Ça, ça te donne 100 coins. Ça, c'est quoi? Hack. Coins plus 100, Star Crystal. Ok. Shop. J'ai pas assez. Ah oui d'accord. En fait tu passes un niveau. Ok. Ah merde, mais je viens de voir que la caméra est peut-être pas le plus, au meilleur endroit. Je vais peut-être la bouger. On va voir. Donc on a 150 trucs. Merde. Je voulais lire. Qu'est-ce que j'ai branlé. Putain de mort. Bon, c'est pas grave. Increase radius of skills, hein, hein. 50% de chance de spawn une deuxième bombe creep. Ok. Faster attack. Ça c'est fort ça, putain. When units active. Comment elles ont le rush qui s'active? J'ai pas trop compris ça. Ok. On peut reprendre des trucs. Stat Crystal. On va prendre des coins. Ah d'accord. En fait, quand t'as fait un level, tu enchaînes les trucs. Ok. Ah oui, du coup, le shop, il vaut mieux le prendre à la fin. Bon, là, je l'ai eu au début, du coup. Ah ouais, là, du coup, si tu pars là, t'as la card. Ah, la card, ça doit être trop bien, putain. J'aurais dû prendre la card. Ok, mais bah, je savais pas. C'est quoi le mieux, starter avec des cristaux ou des coins? Les coins pour plus tard, je pense. Ah oui, d'accord. Ok, là, donc, on start. On fait d'abord une Crystal Mills. Et lui il collecte automatiquement de base, on est d'accord? Ouais. Ça c'est quoi du coup? On peut pas avoir des infos sur les... Non, ça fait rien. Robot Marine. Donc ça j'ai pas compris ce que ça faisait ça. Friendly unit in radius gets rush. Ah d'accord, c'est un truc, c'est un bâtiment défensif. Ok. Ah oui, c'est con, ça sert à rien, je suis... je l'ai mis du pire côté possible. Quoique. Ah ouais. Ok, donc je peux me faire attaquer que par ici, peut-être par le haut. Et le point de ralliement, on va le mettre là du coup. Merde. Ouais, je... Ah, peut-être en haut, je vais peut-être me faire attaquer par là, ok.
Est-ce que je peux faire quelque chose ici que... Producing 0, blablabla. Ça m'a fait gagner plus? Je sais pas. J'ai pas compris ça. Je pense que oui. On va mettre une là parce qu'il y a des cristaux ici. On va se faire une grosse base. Ah non, mais ça m'a pas construit ce que je voulais. C'est bien ce qui me semblait. Point de ralliement, on va le mettre là. Merde. Et toi, tu vas me construire du coup. Une crystal mill, c'est ça que je voulais. Not another crystal. Ah, crystals. Shit. Use this skill to spawn another. Ah ouais. Ah, ça se bat! Mais, rends-moi ça! Bon, on va le mettre là du coup. Donc, lui il se bat, on n'a pas de détails sur les unités, c'est un peu dommage. Alors, attends. Deck. Alors, Crystal Harvester, robot marine. C'est pas assez clair. Bon, pour l'instant, le jeu est pas assez clair sur certains trucs, c'est un peu dommage. Robot Rush, Beacon. Ok, ça c'est pas mal, ça t'explique qui fait spawn quoi. Command. Il y a un système de rareté avec les trucs. En vrai, j'aime bien, parce que ça veut dire que tu peux faire 850 000 games, enfin, j'abuse, mais tu peux faire beaucoup de games. Et à chaque fois, t'auras une game différente parce que t'auras pas les mêmes cartes ou. C'est pas mal ça, ça j'aime bien. Close. Top pod. Ah mais j'en ai pas besoin, j'en ai déjà. On va en faire deux autres. Parce que là, on peut pas être attaqué par là, non, a priori non. Ah, voilà, la descente est là. Ça doit pouvoir se récolter, ça a l'air d'être une ressource. Ça. Ils ont fumé. Ok, de temps en temps, ils m'envoient des petites waves. Donc, a priori, ils arrivent d'ici. Est-ce qu'il y a un système en mode les rochers, ça protège un peu? Bonne question, ça. Lui, il va vite en vrai. C'est un peu mon explorateur. Oh, c'est quoi ça? Ah, il y a des chiens et tout. Ouais, d'accord. Ou c'était un cerf. Oh, du cristaux. Merci. Attends, toi tu vas venir là. Non, plutôt là. Ça fait quoi? Du coup, j'ai récupéré des cristaux, c'est ça? En découvrant ça, ça m'a donné des cristaux, je pense. Ok. Là, il y a une plage. Ah, mais là, ils se font kite à mort. Recule, enculé. Ah, mais vous faites pas avoir comme des bleus. Ils se font sortir. Petit à petit. Donc ici c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Ok, ici il y a des trucs à faire. Est-ce que toi t'as... Hop, attaque. Déjà là. Là c'est broken ça en vrai. Tu peux les éteindre à volonté genre. Oui, il est là lui. Est-ce qu'il y a des raccourcis de déplacement de map? Oui, comme ça, avec les flèches. Moi je le mettrais bien avec ZQSD par réflexe quoi, tu vois. Putain, il va vite quand même lui. Hein. Mais il se fait kite! Ah frère, mais reculez, bande de débiles! Ok, ils commencent à me saouler les mecs. On va commencer à faire ça. On va envoyer des unités un peu là. Tac tac. Et toi tu vas me construire ça.
devait être par là. Oh, il y a un gros truc de cristal. Ok, ils visent mal les ennemis, ça va en vrai. Si je bouge, ils visent mal. J'ai juste à bouger. Ok. On peut l'attaquer lui, ça fait quoi? Vas-y, on va leur demander de l'attaquer. Ah merde, ils sont fumés. C'est incroyable qu'ils puissent tirer en bougeant. C'est trop fort en vrai. Donc le chien ne l'attaque pas. Une sorte de chien, ok. Et par contre, il y a tellement d'unités, gros. Ils ont une sacrée base en vrai pour autant d'unités. Est-ce que je peux refaire un rush là? Voilà, truc de rush. Merde, il fait quoi celui-là tout seul? Pas leur donner un ordre de hold position. Ah voilà. Ça a pas l'air de marcher. Non, recule toi. C'est lui qui s'est fait attaquer? Ah c'est lui. Il régène ou pas? Ils se font kite. Vas-y, je vais laisser se faire kite. Pas grave. L'autre truc de prod. C'est lui. Tac, tac. Ton point, tu vas le mettre là. Pas ici, on a trouvé leur base. Donc en vrai, on peut les mettre là, c'est pas gênant. Est-ce qu'il régène, du coup? Attack move, position. Il a pas l'air de régène. Ok, donc faut faire gaffe à notre engineer. Bah, reste ici, ma gueule. J'ai fumé un de leurs bâtiments apparemment. Comment j'avais eu le spell tout à l'heure? Lui il est en train de se balader dans la base. Oh, il s'est fait péter par l'explosion du bâtiment je crois. Hop. On recule tranquille. Il va venir prendre le relais. Rush. C'est lui. Comment j'avais fait le truc des spells tout à l'heure? Ah voilà. Ils sont tous en mode rush là. Ah ouais, c'est trop chiant que automatiquement ils attaquent H24. Ils veulent pas hold la position. Ah là ils veulent. Mais là c'était des... Ils attaquent automatiquement les bâtiments, c'est un peu chiant. Là, tu vois, genre, je leur ai donné l'ordre d'attaquer celui-là, ils ont quand même fini celui-là, tu sais, dans le doute. Bon, c'était pas très compliqué. C'était pas très compliqué en vrai. 50 coins. Ok, donc là on repère. Y a pas de shop, on est d'accord? Ah si, y a un shop là. Mais y a une carte ici. Donc soit on prend la carte, soit on a le shop, c'est ça? Aïe 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 aïe. On veut la carte nous. On veut la carte. Allez, c'est parti. Un robot médic.
un Rushbot qui est rare ou Machine Gun Turret. Kill 50% chance de target. Robot Core, ok. Alors, le Rush lui donne plus 50% d'attaque speed et du Massive Additional Speed Boost. Ok, donc il a du Speed Boost et 50% d'attaque speed. Skill Core Rush consumes closest Robot Core. Ok. Le Rush Bot. Est-ce que le Rush Bot c'est bien? Ah ça, de... ah, ça nous coûte des cristaux. Skip card. Non. Oh le con. Ah, mauvais choix. Alors ça, je sais pas ce que ça fait du coup. C'est un boost, c'est un buff. Increase start crystal. Ah d'accord, donc ça m'augmente. Si je skip, ça me donne 50 cristaux en plus. Ok, bon. Factory produces twice as fast. Ok. 50% de chance de crit contre les cibles qui ont un bounty. Bon, on va mettre ça. Hein. Ça, c'est broken. Et on peut le mettre sur, bah, sur les marines. Sur les marines. Alors, recharge. Ça fait quoi, recharge? Ça me recharge mes vies, mais j'en ai rien à foutre des vies, non? Ah, d'accord! Ok, je vois le genre de jeu que c'est. En fait, c'est un mélange entre Darkest Dungeon un peu, non? Genre, tu lances des runs. Ah ouais, d'accord. C'est pas, peut-être pas, c'est peut-être pas le bon, exemple, mais... les jeux de cartes, là, où... on va peut-être commencer déjà par build. Mais genre, les jeux de cartes... Oh, putain. Les jeux de cartes où tu... Alors on commence par là, on va explorer vite teuf, tac 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 tac. On va déjà faire quelques unités. Si c'est Darkest Dungeon, non, je sais plus. Comment ça s'appelle le jeu où t'as des cartes là et à chaque fois t'as des runes différentes là, putain. Mais bon, c'est dans ce style là quoi. Mais sauf que là c'est un tower défense. J'aime bien en vrai l'idée, c'est pas mal ça, je savais pas que ça pouvait faire un truc comme ça. Je savais pas qu'on pouvait... J'avais jamais pensé à un truc pareil. Ok, il a le rush. Toi, comment on a du mana? Ah voilà. Bon, pour l'instant on a pas trouvé les mecs. Ah je crois qu'ils les ont trouvés. What? Ah oui c'est une unité suicidaire genre. On va les checker par là mais... Oh les enfoirés ils m'envoient des unités suicidaires. Rien par là, ouais. C'est ce que je pensais. Donc tu vas venir par là et tu vas venir construire plus de trucs de cristaux là. Toi t'as du mana là? Non toujours pas. Tu vas en faire un de plus. Pourquoi y a lui qui est tout seul là? Ils viennent d'où? Ils viennent de là. Ouais ils ont des tanks! What the fuck? Ah ils ont un tank qui slow. Bah, il va exploser. Ouais. Wow, ils ont des tanks qui se louent, c'est trop fort. What the fuck. Faut le fumer, hein. Faut le fumer, il me fait trop chier. What the fuck. Il a un shield et tout le tank. Wow, il est slow à mort gros. Ah si, on va leur compter, on va leur truc en cliquant dessus. Sur un seul. Un 67 de move speed. 3 de range. Ah, et là tu utilises la grenade, d'accord, ok.
Faut que je sois sur une unité pour pouvoir sélectionner le truc. Okay. Voilà, c'est bien les petits. Donc toi, tu vas augmenter la range du rush. Tac. C'est bien mon petit. Non! Oh putain, ils ont foutu le feu! What the fuck, on peut brûler l'environnement! Ah, c'est bien, il y a des interactions avec l'environnement, c'est fort en vrai. C'est quoi ça? Ça fait quoi ça? Ça fait rien du tout. Les fanneries tout fort. Ouais, y'a pas assez de cristaux, mais ça c'est normal. Oh, reculez, reculez, qualité les cons. Wouah. Eh, en vrai, le jeu est pas simple, hein. Je pense. Toi, tu vas devoir te rapprocher, toi, tu farmes. Farm plus. Après, c'est simple, tu vois, genre, y'a pas 800 ressources. Pour le coup, c'est pas très compliqué. Mais là je suis dans une situation où eux ils ont des unités et pas moi. Ils ont des unités variées et pas moi. Non mais ça doit être un... le jeu est... Franchement j'adore le concept. Ils viennent d'où? Ils sont loin. Oh putain! C'est bon, on les a trouvés. Tiens, fume-moi ça là. Ouah, ils en ont 8000. Ah, c'est une mission où il faut buter l'ennemi. Il y a du temps. Ah, ça, je connais ce genre de mission. Ah, le bâtard, il m'a cramé. On va faire un max. C'est quoi ça? Oh, c'était un coffre. Ce n'est des cristaux. Oh putain. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain. Ah ouais, c'est pas simple du tout. Oh, oh sa mère. Un recul, mais recule, espèce de con! Ah, il est mort. Ah, il s'arrête. Ils se sont arrêtés. Ils ont bugué. Il avance. Bon, j'ai de la chance, ils ont bugué. Bon, on va se faire une énorme armée. Hein. Donne les cristaux. Oh putain! Plein de trucs là au sol, non? Putain, il y en a plein, gros! Faut que je fasse le truc de rush là. Mais genre ça les stun en fait.
Ah, en fait, c'est le spell qui les stun. Oh, l'enflure. Putain, mais ils en ont 8000, frère. Ils ont 8000 units, c'est trop horrible. Putain, et encore, faut que je les batte en plus après. Oh. C'est dur en vrai avec juste des soldats de base. Hein. Non, reculez, reculez, reculez. Oh putain. Oh. Allez, j'ai joué. Non, je l'ai pas vu lui. Damage remaining. En tout cas, si c'est pour te forcer à prendre le kiting, c'est réussi. Il est où l'autre? Ouah, ma truc elle est si loin gros. Bon, il s'en sort, c'est bon. Ah oui d'accord, lui il sort carrément d'ici. Il reste plus que les trucs d'explosion. Normalement, il les fume maintenant. Nettoyez-moi tout ça. Hop. On va vous mettre le rush. Ah, tu peux le faire péter et après tu recules, genre. Ok. Merde, il les a cramés le bâtard. Mais gros, ils ont de l'argent à volonté par contre les bots, comment ça se passe? Ah, c'est abusé qu'ils aient de la thune à volonté par contre. Ça devrait coûter cher ce genre de truc. D'unité. Ouah, des bons. Oh, les bons incendiaires. Non! Ah, ça crame tout. Ok. Vous allez arriver ici. Ouais. Il est où mon truc pour. Il est là. Pour construire. Où c'est que je peux lui mettre une raffinerie?
Ah, d'accord, il est content là. Ouais. Ah oui, quand tu construis le truc, en fait, de base, t'as un bonhomme, ok. Ah, c'est bon, ils peuvent plus produire. Allez hop, finissez-moi ça. Ah, il en reste un là. Putain, il y en a un là. Non, merde! Il s'est brûlé. Il s'est brûlé, le con! Ok, putain, elle était pas simple celle-là. Alors je sais pas exactement comment ça marche. Niveau, est-ce qu'on a, on a une run, une duration, ok. Alors une carte. Marine Blast Tower. Ça nous donne 5 robots marines. Ça nous donne du mana. Robot bombe, matériel fonderie. On va prendre ça. Hein. Ensuite, il y a shop ou alors des coins. On va prendre le shop puisqu'on a 350 coins. Alors. Ambient destruction. Les alliés ont 50% de chance de critical contre les unités d'environnement. Comme les. Mais j'en ai rien à foutre. On a rien à foutre de péter des arbres, gros, non? En vrai, your engineer now slowly heals all. Ok, ça peut être intéressant, tu vois. Il manque vraiment une fenêtre de validation, par contre. En mode, oui, je veux valider d'avoir fait. De prendre ça, quoi, dans le truc, dans le shop. Drop pod. Ça, je sais pas ce que ça fait, ça. Ça me donne une vie en plus, je suppose. 50% de chance de spawner deux bombes creep. Collectors get plus 3 cristaux. Boost damage par 33%. Alors on va prendre ça. Bah sur eux, non? Attends, c'est quoi que j'ai pris? Boost les dégâts sur eux. Ok. Ah oui, je vais faire une connerie. Les collecteurs, après, il y a là, ouais. Critical Bounty. Ok, on peut cancel. No viable target. Alors lui, il est no viable parce qu'il est full stack, je crois, c'est ça? C'est ça, ouais. Il a deux compétences, on peut pas l'améliorer plus. Just one more. Ça fait quoi, ça? Building cap plus 1. On peut augmenter le nombre de bâtiments de sap de 1. Ok. On va mettre ça, vas-y. Hein. Plus de mana qui va plus vite sur lui. Il y en a encore 100, on va mettre ça. Voilà. Ok. Ensuite. On peut pas start avec plus de thunes, apparemment. On peut pas prendre ça. Donc on peut reprendre ça, ça. Et ça, c'est une upgrade. Vas-y, on prend une upgrade. Allez, on va prendre ça. Je sais pas quoi prendre d'autre en fait. Une carte. Alors on va prendre la carte. Il nous faut des cartes, il nous faut plus de trucs là. Gives all friendly. Hein, donc à toutes les unités alliées, plus 10% de dégâts, building cap 3. Plus 5 HP, building cap 3. De révèle les areas, d'accord. On a rien à foutre de la Spy Tower, on est d'accord.
On va prendre 10% de dégâts. D'accord, ok. Bon, pour l'instant, on n'a pas perdu. Ok, ça commence. Alors, le premier truc à faire, c'est ça. Ensuite, directement, hop, petite usine. Le robot Rush Beacon. Ok, toi tu on va en produire un max. Il faut buter les mecs en 20 minutes encore une fois. Ok. Eux, on va les envoyer explorer. Tiens, allez par là. Démerdez-vous. Ah, mais en fait, on peut passer là. Oui, d'accord, j'avais même pas remarqué que c'était une pente. Ça, c'est quoi? Quoi, ce truc? Ok, bon, on a plein d'unités pour récupérer des cristaux, ça c'est cool. A priori, du coup, ils vont arriver de vers là ou de vers là. Emmener quelqu'un ici pour voir s'il n'y a pas des passages. On a juste à couvrir cette zone là, du coup. C'est notre zone d'entrée. Bon, on va les envoyer se suicider potentiellement. Hein. Hop. Bon, voilà, ils vont choisir des chemins random. What? Oui, d'accord. Déjà? Faire une unité. Je sais plus où je l'avais envoyé, lui. C'est quoi ça? PCX Energy Hunter. Ils ont l'air d'aller super vite. On va faire plein d'unités. Ils ont l'air d'aller super vite. Ici, on va se refaire une truc de. Il y en a qui s'est fait fumer ici, d'accord. Ici, il n'y a rien. Donc, ici, à la limite, on peut mettre une truc de cristaux. Et là, je pense qu'ici, pareil, ce sera le coin, donc on est tranquille. Quoi. Je pense. Je pense qu'il y a juste voilà, cette zone à défendre là. J'ai envie de dire. Faire voir s'ils peuvent arriver par là. Non. Ok. Donc, c'est bien ça, faut défendre cette zone. Mais y'a pas des tourelles un peu? Il est où mon robot? Ah, viens là, toi. Viens là, Coco. Viens nous faire une Crystal Mills. Ah merde, j'ai pas de cristaux. Ah, c'est 500, putain, ça coûte cher quand même. On a trouvé un bâtiment, ok. Bon, on sait où ils sont. Après, je m'en doutais en vrai, mais. Quand tu vois la map, tu spawns à gauche, bon. Une map pareille. Ça fait quoi ça? Ça fait quoi? Slow time? Ah, on peut faire ça? Je sais même pas. Ok, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Alors. Bah ça, vu que c'est notre point de défense, après on va le mettre là, non? Ce que ça fait, c'est censé donner 10% de trucs, mais on voit pas leurs dégâts. Oula, ils sont nombreux, les cons. Ah, ça leur... notre spell leur donne des bounties sur la gueule. Du coup, ils font plus mal. Ah, ils me donnent des cristaux, d'accord. Ah, ils se l'ont en plus, leur bordel, je viens de capter. Ah ouais, ça, c'est à peine fort. Ah, je viens de capter, c'est dingue leur truc. Je sais pas si on peut tourner les bâtiments.
même pas. Il n'a pas l'air, hein. Merde ! Mais qu'est-ce qui... Oh putain de merde. Mais c'est loose là, non ? What ? Oh bah là c'est loose, je pense. No joke, je pense que c'est loose. Ah mais il est tout seul, il va se faire fumer. Ah oui, d'accord. Ça va, c'est pas trop abusé. Ah ouais, donc... Putain, on est limité, nous, en unité. On a un vieux soldat tout pourrave, là. Eux, ils ont... ils ont des véhicules explosifs. Est-ce que je peux arriver à en fumer un? Je vais me faire laver, je pense. Oh ouais, ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais gros, je... Mais c'est quoi cet équilibrage, frère? Ah oui, du coup, ils sont stun quand on perd. Ok. Non, l'ingénieur va se faire fumer. Boum. Attends, attends, attends. En fait, j'ai plein d'argent, mais... Ah, c'est peut-être pas loose, en fait. Ok, c'est bon. Ah merde, ils se font attaquer en haut, j'ai pas vu. Oula, recule, 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 recule. Ouah, le focus sur l'ingénieur, faut les se faire foutre. Mais frère, faut les se faire foutre. Comment ils vont aussi vite, oh. Ouah, gros, faut me donner des unités à un moment, genre... Gros, mes unités, moi, c'est des bâtiments, genre. J'ai des soldats de... J'ai des simples soldats depuis de... Des simples soldats depuis le début, genre. Ah là, ouais, on va... désolé, on va faire full unit. Hein. C'est grave. Mon ingénieur, vient là. Ah, il a pas assez pour l'instant, mais... Voilà, dinguerie, gros. Je me suis fait matraquer, oh. Vénère, hein. Ça, je peux faire ça, là. Marine Blast, je sais pas quoi, là. Fais voir ce que ça fait. Ça me fait proc des marines. Ok. Et les marines, on est d'accord, c'est ça, quoi. Ouais. Bah venez le fumer, hein, venez le fumer, on n'en parle plus. Hein.
Mais la racaille, ça dégage. Ouais, c'est des simples marines, quoi. Ah, ça fait chier un peu. Bon, mon truc, du coup. Ah merde, mon rush beacon, il sert à rien là. Ah, il sert à rien lui. Du coup, vous allez vous avancer, on va venir se regrouper là. Hein. Là, pareil. Voilà, le rush, moi ils ont le rush là, tous. Ouais, ils l'ont tous. Pour aller vite ici. Ah ouais, c'est bien, il me mâche le travail. Hein. En venant petit à petit là, c'est bon. Wouah, oh, l'attaque dès l'early, j'étais pas prêt. Hein. C'est l'attaque dès l'early, ça m'a mis dans le mal. De fou. Elle dégage ça. Allez, une station au moins déjà. Allez, fumez-moi tout ça là, on n'en parle plus. Voilà. Ah, tiens, maintenant j'ai une grosse armée. T'en dis quoi maintenant hein. Alors toi, si je fais ça. T'as les fait spawn ou pas? Je sais pas, le truc est parti en tout cas. Allez hop, les pépères là. Allez hop. Courez me fumer tout ça maintenant. Ok, j'ai cru que c'était la fin. Hein. Honnêtement, je pensais me faire déglinguer. J'ai cru que c'était fini top et pot. Allez hop. J'ai perdu énormément de vie. Putain. C'était chaud. Alors ça c'est quoi? Hack. Ça fait quoi hack? Alors là qu'est-ce qu'on veut nous? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Il y a le shop. Mais le shop on n'a plus rien. On a plus que 50 donc on s'en fout. On peut faire hack. Start Crystals et ça. Ou alors carte. Ouais, carte. Il me faut une unité. Rushbot. Robot Replicator. Ça, ça a l'air cool ça. Alors, fais. Putain, c'est nul. Skill Replicate. Dies. Summon fresh version of itself. Donc, il peut se suicider pour invoquer un autre truc de lui. Ça, ça a l'air trop fort. Ça c'est quoi ça? Donnez-moi des gros tanks là un jour. Robot MG Factory. Rushbot for Barracks. Attends, oh là il y a des unités là. Oh putain, attendez. Oh attendez. Là il y a des trucs là. Alors 5 damage par seconde. Attaque deux fois là. Attaque toutes les 0,5 secondes en faisant 2 de dégâts. Lui il attaque deux fois toutes les 0,3 secondes. Et il fait. Alors attends, c'est quoi sa range? Move speed. Range in cells. Ok. Ok, donc lui il a 6 de range, lui il a 4, 5. Waouh, ok. Ok, là on commence à me parler là. Ajoute 10%. Ah mais ça a l'air trop fort ça. Ah, si je prends ça. Enfin, j'ai pris ça même. Puis là on veut une upgrade je pense après. Ouais.
20% de chance de hit. Oh attends, il y a cheaper construction. Ça coûte 50 de moins à produire ça. Ah ouais, ça coûte 160. Ah ouais. Ça rigole pas. Et ça, ça... Ok. 20% de chance par hit de trigger le bounty. Ça, c'est fort parce qu'il tire beaucoup. Si j'ai bien compris. Il tape deux fois. Donc déjà, il tape deux fois. Donc deux chances de le faire trigger. Donc deux fois 20% à chaque fois. Enfin, deux fois 20% à chaque coup. Et toutes les 0,3 secondes. Il tire beaucoup, lui, en vrai. How long it takes to produce... Ah, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Je vais tenter. Hop, ennemi. Ok, bon, on a qu'une vie. On a qu'une vie. En vrai, j'aime bien le concept, hein. Vraiment. Par contre, c'est... bon, il y a des trucs à améliorer, évidemment. Mais... Crystal's Mill. Tac, tac, tac. Robot MG Factory. Qui va être ici, parce qu'a priori, c'est par en bas que ça va nous intéresser. Et Robot Marine, on va la faire vers là. Hop. Toi et toi, tu vas me produire directement beaucoup de mecs. Ok. Parce que là, il va falloir récolter. Là, il va nous falloir des cristaux. Là. Oh là là, il va nous falloir des cristaux. Là. Parce que là, il coûte cher. Hein. Enfin, on a une nouvelle unité, quoi. Get fresh and robust. Je sais pas ce que ça fait, robust. 8 MP. Les environnements sont intéressants. Est-ce que je peux pas essayer d'explorer un peu avec lui? Ah, mais il est passé de l'autre côté, ok. Des cristaux ici, on peut descendre ou pas? On peut pas descendre. Ok, on peut pas accéder à ces cristaux là, donc a priori, toi tu peux aller là direct. Est-ce qu'il y a des dangers de ce côté là? On peut descendre par là. Il y a des cristaux. Ouais, il y a totalement du danger, on peut rejoindre cette zone là, ok. Donc pour l'instant je vais le mettre là. Le point de ralliement on va le mettre là. On va le mettre là. Et là on va le mettre là. J'ai pas capté si le son ça vous dérangeait ou pas. Du jeu. Le son du jeu est peut-être un peu fort. Peut-être vous le baissez un petit peu, attendez. Depuis le début. En fait, j'ai pas capté, mais genre la musique elle est un peu forte des fois. Ok. Bon, le but c'est d'avoir toujours plus de marines évidemment, je pense. Tac, Robot Rush Beacon. Ok, ok, ok. Voilà, donc ils ont le rush. Ça, ça leur donne 10%. Mais ça, c'est. Il n'y a pas de zone, hein, on est d'accord. Hein. Ça, c'est surtout. C'est à vie, hein, genre, j'ai l'impression. Oh putain, ils se font attaquer. Oh putain, oh putain, oh putain. Reculez, reculez. Et toi, viens là, toi. Ils se font attaquer par le nord. What? Ils ont explosé des trucs. Oh putain. Wow, c'est quoi ça, frère? Mais frère, t'as pas plus puissant comme unité encore? Nah gros, c'est abusé. Non mais gros, se faire attaquer par des mobs pareils dès le début, c'est honteux. Cours, 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 ma gueule, cours. Il a le rush. Barre-toi. Mais c'est quoi ces unités, gros? Ils... La grosse limace, je sais pas ce que c'était, gros. C'était quoi, ça? Oh, le bordel. On a fait une run de 42 minutes. Bon, c'était pas mal, en vrai. Oh, le bordel, gros. C'est quoi, ces unités? En vrai, si t'as pas des cartes dès le début avec des trucs de fou, genre, c'est grave, hein.
Parce que là, en vrai, j'ai pris des trucs, c'est fort sur scaling en vrai. Genre, tu vois, tu prends des trucs sur des dégâts pourcentage et tout, tu vois. Quand à la fin, t'as des grosses unités qui ont beaucoup d'attaques, je pense, c'est rentable de fou. Genre, tu gagnes 10% sur des unités qui ont, je sais pas, bon, 1500 d'attaque, ça te fait 150 de puissance en plus. Ça doit être trop fort. Mais bon, bref. Bon, voilà, c'était la petite découverte de ce petit RTS. J'espère que ça vous a plu. Voilà, la prochaine fois, je ferai un autre RTS. En ce moment, il n'y a pas trop de trucs sur la chaîne. Vous inquiétez pas, c'est normal. Je suis sur d'autres projets. Pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà, je suis en train de travailler sur un site. En même temps, je fais des trucs pour OTP. Donc voilà. Il y a des trucs par-ci par-là. Je suis moins convaincu par. J'ai du mal en ce moment à me lancer sur des trucs Pokémon. J'ai du mal à faire des vidéos des news. Voilà, je fais une pause de Pokémon. Je suis arrivé à un stade où j'en avais un peu marre, honnêtement. Donc voilà, je sais que la plupart d'entre vous me suivent pour du Pokémon sur la chaîne. On va pas se mentir. Vous me suivez pour des fangames, pour ci, pour là. Pour l'instant, j'ai du mal avec Pokémon, personnellement. Voilà. Après, je sais que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en foutez, vous regardez pas que du Pokémon. Donc c'est pas vous spécialement qui sont en mode. Qui êtes en mode. Il n'y a pas de Pokémon. Voilà, si vous regardez cette vidéo, je me doute bien que vous regardez un peu plus pour le contenu divers et varié. Mais voilà, c'est un peu dommage qu'il y en ait qui regardent que pour Pokémon. En même temps, ça se comprend aussi. Mais bon, à terme, on va pas se mentir, j'aimerais bien faire du contenu plus varié sur différents jeux. Parce que, on va pas se mentir, ce qui marche, c'est de faire façon one kill. Donc, tu fais des jeux, des découvertes de jeux. Et c'est vraiment, tu les suis pour leur personnalité, les montages, etc. Moi, je fais pas de montage parce que j'ai pas de monteur. Hein. Eux, ils ont 12 monteurs, gros. Même plus, peut-être. C'est une usine, le bordel. Mais dans l'idée, voilà, c'est ça que j'aimerais faire dans le futur. Pas que du Pokémon, malheureusement. Les news des fangames, c'était un peu le truc idéal dans le sens où bah, y a du monde qui regarde et tout. Enfin, voilà. Y a du montage un peu et puis ça plaît à tout le monde. Mais voilà. À terme, il y a Tower of God qui va. Il y a des streams de Tower of God qui vont arriver. Salut, Sangulu Tempest. Comment ça va? Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis des bisous. Ciao tout le monde. Il y a du contenu qui arrive de temps en temps, par-ci par-là. Merci encore à tous ceux qui découvrent la chaîne et j'espère que le reste vous plaira. Tchou tchou.